violence sur femme. Bon, c'est déjà bien, elle a déjà peur. Alors, on va essayer de t'assommer. Et puis de t'en mettre plein la figure. Oh, il a esquivé ça. Boum. Boum. Oups. Hop. Non. Hop. Tac, tac. Ah, bon, bah ça y est, je suis vénère maintenant. Elle va péter. Elle va s'en prendre plein la figure, la pauvre. Boum. Et... Oh putain, elle m'a battu. Il lui restait rien. C'est une blague. Tu te bats bien pour une humaine, même si tes techniques ne sont pas toujours loyales. Je peux pas trop compter sur ma force brute. Faut bien que j'ai d'autres techniques. Et puis j'ai quand même été entraînée pour être une sœur des complaintes. N'hésite pas à venir prendre ta revanche en tout cas. Ouais, ben ça va être fait tout de suite. Vous avez besoin de moi les gars? Non. J'ai juste besoin de te casser la figure. J'aimerais réessayer le défi. Je ne m'attendais pas à tant de fourberie chez une petite femme comme toi. Mais... Fourberie? La bonne excuse. Tu vas voir, je t'en réserve quelques autres. Maintenant, je sais à quoi m'en tenir. Tu m'auras pas aussi facilement. Hey, calme-toi. Ah, mais l'esquive, hein. T'as fini d'esquiver, oui. Ah, maintenant elle a contré. Ah, quand même. Résiste à l'assommement, tu te fous de moi? On va faire ça, on verra bien. Pas très efficace. Elle a encore résisté, hein. Bon, ça, ça avait bien marché tantôt. Aïe. Bon, ça y est, elle m'a encore énervé, du coup, j'ai encore perdu. En plus, elle contre et l'esquive. Bon, il faut pas se mettre en mode rouge parce que ça marche pas du tout avec elle. Et chaque fois, il lui reste rien, quoi. Pas bien pour une humaine. Mais... Je peux pas trop compter. À chaque fois, il lui reste rien du tout, quoi. Bon. J'aimerais. Fourbe. Ah bon, moi déjà, j'en ai déjà mis une. Tu vois, quand je fais ça, elle attaque pas. Ah, assommé. Ah bah attends, non, je vais plutôt profiter qu'elle est assommée pour faire ça. Boum. Aïe. Elle s'énerve d'un coup d'un seul là. Aïe. Elle me laisse pas le taper, hein. Énervé maintenant. Allez, plus qu'à coup. Allez. Ah ben ça y est, quand même. Bien tenté, mais tu pouvais difficilement faire le poids. Bien sûr, mon poids. Attends de te mesurer au singe. C'est son tour. Je peux avoir quelque chose? Je crois que tu me dois une récompense. T'inquiète. Je me doute bien que c'est pour ça que tu m'as combattu. Prends cette pièce d'armure. De toute façon, je peux rien en faire, elle est beaucoup trop grande pour moi. Ah, si elle est à ma taille, oui, effectivement. Qu'est-ce qu'elle m'a donné encore? Un truc de merde. Enfin, quoi que coup critique plus 3. Non, ça c'est plus la classe. Ok, bon, c'était complètement inutile. On va sauvegarder. C'est celui-là.
Alors... On m'a dit que tu savais où trouver ce chacal de Dorek. Non, c'est moi le chacal. Je sais beaucoup de choses. Mais en l'occurrence, je n'ai entendu que des rumeurs. On dit qu'il s'est installé du côté de la porte sud, près de l'ancienne carrière de granit. Mais j'ai pas vérifié moi-même. C'est peut-être un tuyau percé. On prend le risque. Tu sais où c'est ? Évidemment. Ok, on va y aller alors. Alors on y va. Il y a longtemps que nous voulons la peau de ce bâtard. Bâtard ! Ça va. On avance. On y est presque. J'espère bien que Dorek est là, parce que j'aime pas faire des détours pour rien. Et évidemment, c'est plein de chiens. Je déteste les chiens. Ça bave, ça mord, ça rame tout le quartier en aboyant, et ça te renifle le cul depuis l'autre bout des bidonvilles. Pas besoin d'être un chien pour te sentir venir. Hey, ben ceux-là en plus, ce sont des vicelards. Leur dresseur, c'est un sacré tordu. C'est qu'il y a pas mal de rumeurs sur ton gars. Une vraie légende. Paraît qu'il a sacrifié son bras pour nourrir un de ses clébards qui crevait de faim. Eh ben ça des va. Des foutaises, Rakash. C'est juste un humain rongé par la haine. Un Sken. Un quoi ? Un cœur mort, que son corps va bientôt rejoindre. Rien à foutre. Ah, merci. Oula. Ah oui, d'accord. Et je suppose que les chiens, ils vont me repérer dès que je vais essayer de... Ouais, c'était prévisible. Bon, je te passe le relais. Tais-toi, sale crétin. Boum et boum. Joli combo. Donc ça sert à rien d'essayer d'y aller discrètement ici avec tous les chiens. C'est quand même très couloir dans ce jeu. Hein. Alors. Petite reconnaissance. Là, il y a un gars avec des chiens encore. Allez, hop, c'est parti. Ah oui, merde, il y a des gens au-dessus, là. Je les avais pas vus, ceux-là. Est-ce que si je me frotte à la vache, est-ce qu'ils vont encore me sentir ? Est-ce que je peux monter ? Ah, ok. Il y avait de l'idée, mais ça marchera pas. Comment est-ce qu'on va faire ça ? Comment va-t-on faire ça ? L'orc qui fonce, mon enclos tire des... Il y en a quoi ? Il y en a trois. On va attendre qu'ils reviennent déjà. Prends ton temps. J'ai déjà les cheveux gris de toute façon, donc... Alors toi... Ah, c'était pas prévu au programme ça. Et voilà, il est vénère maintenant. Et non, pas là. Ah. Arrête de tirer n'importe où. Là-haut, il faut tirer. Attends,
Lui, je crois qu'il peut monter. Il est en train de se calmer, là. Stop. Pas une potion. En toute discrétion. Oula. Il a des spasmes. Armure de cuir clouté. Bon, ça c'est pour Styx. Ah. Non. Ouais, mais c'est de là. Bonjour, je m'appelle Arkale. Je porte du cuir. N'importe quoi. Ok. C'est tout. Apparemment, c'est tout. Alors, il y a encore du monde par ici. Là, il y a des chiens. J'adore l'or qui attend là bien tranquillement. Ça va, tu as fait ton boulot. Merci. Maintenant je peux taper. Ok, bon. Bon, ben niveau 7. Chaque coup critique assomme la cible. Le coup circulaire est impossible à interrompre. Annule les chances supplémentaires d'esquiver et de parer des ennemis. Ils ont 50% de chances de parer et d'esquiver. Mais s'il ne peut pas être interrompu, c'est beaucoup mieux. Ok. Toi, tu vas directement ici. Alors, l'attaque à 25% de causer une vitalité. On va prendre ça. J'en sais rien du tout. Ah, Styx, pousse-toi. Tac tac. Ok, là il y a un chien. Deux peaux vertes qui débarquent juste devant chez moi. Vous me privez d'une belle chasse, racaille. Ça me plaît pas. Je vais bientôt te priver de la vie. Ta gueule et prépare-toi. Tu baves comme tes chiens, Dorek. J'espère qu'ils t'ont aussi appris à faire le mort. Hé, ces chiens, c'est moi qui les ai élevés, pauvre verte.
Caro, il le mérite. Toi, t'es qu'une bête sans intérêt. On peut pas te domestiquer. Et ce que je peux pas dresser, je le tue. On va voir qui crèvera le premier humain. Pourquoi je la sentais arriver? Ouais, évidemment. Bon. Ménage. Recule. Allez, lève-toi. Aïe, aïe. Aïe, non, pas sur moi. Allez, achève les chiens, là. Mais non, sur le chien. Voilà. Bon, lui va... Ok, aïe. Debout. Et toi, potion. Ah, je suis coincé. Aïe, 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 aïe. Ok, bon, ça va, c'est passé. Aujourd'hui, mes frères seront ravis. Le dresseur est mort comme le chien qu'il était. Ouaf, ouaf. Son âme damnée va errer pendant longtemps dans le vent. Foutu molosse. Eux, ils étaient déjà damnés. T'as vu leurs yeux? Comme les gobelins de Sarkis. Vide, mon grand. Un regard vide. Le néant. Oh, ça fout les jetons. On en a fini ici. Viens, je vais annoncer ça au dernier. Il va pas être content, je crois. C'est quand même très 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 couloir ce jeu, hein. C'est, je vais à un endroit, je le traverse de part en part, en tuant tout ce qui bouge, et puis c'est bon. Bon, on va lui parler directement. Le dresseur est mort. Tu m'as volé sa mort. Réglons ça maintenant, toi et moi. Et remplissons par la même occasion la tradition de la main noire. Ok. Commence par vaincre le singe, histoire de leur faire plaisir avec la tradition. Je t'attends. T'es vraiment très très moche, toi. Ok. Bon. Sauvegarde. Ah, Styx, j'allais venir vous voir. On a un souci. Encore ? Qu'est-ce qu'il y a ? On a un fléau sur les bras. Et alors ? Sarkis s'en occupe pas ? C'est son quartier, après tout. Apparemment, il compte pas s'en mêler. Avec tous ses inquisiteurs dans le coin, il veut faire profil bas. C'est quoi, un fléau ? Des meutes de gobelins qui pètent tout sur leur passage. Comme s'ils avaient la rage ou un truc du genre. La milice va débarquer en force pour boucler le quartier et le nettoyer. Si on fait rien, on risque d'être découvert. Faut qu'on intervienne avant eux. Pourquoi pas? Tu nous as offert un sanctuaire. On va t'aider. À la bonne heure. Merci. Tardez pas trop. Bon, nouveau couloir. Bon, c'est bien, on enchaîne les missions. Et comment t'expliques ça? Comment j'explique quoi? J'y suis pour rien, moi! Les rats sont remontés se faire une virée en ville, et on va devoir nettoyer, c'est tout! Le reste, on s'en branle, quoi. C'est ton peuple. Tu peux pas l'oublier. Mon peuple, hein? Ok, alors écoute.
ces gars-là viennent d'en dessous, d'accord? Personne sait pourquoi ça leur prend comme ça de sortir en meute et d'attaquer tout ce qui bouge. Personne. T'en as qui disent que ce sont les champignons qui leur ont bouffé le cerveau. Et d'autres qu'ils sont inspirés par les entrailles de la Terre ou un plan mystique dans le genre. Alors, heureuse, ça te convient comme explication? Appelle-moi encore heureuse et c'est toi qu'on va, nommer au féminin. Bien sûr, j'ai emmené mes dagues, qu'est-ce que tu crois? Mais ça irait plus vite si tu venais prêcher avec moi. Allez, oust! On va venir prêcher.